What if you could type directly from your brain? It sounds impossible, but it's closer than you may realize. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de Facebook qui est, lui aussi, en train de développer la marque de la bête qui sera prise sur le front. So, today and tomorrow, this is our goal at Facebook, to create and ship category-defining consumer products that are social first. To do so at scale, and to power this with a breakthrough innovation engine modeled after DARPA. Products that recognize we are both mind and body, that our world is both digital and physical, that seek to connect us with the power and possibility of what's new, while honoring the intimacy and the richness of what's timeless. What if you could type directly from your brain? It sounds impossible, but it's closer than you may realize. And it's just the kind of fluid human-computer interface needed for AR. Today, we've assembled a team of more than 60 scientists, engineers, and system integrators. They specialize in machine learning methods for decoding speech and language. And we're just getting started. Together, we have a goal of creating a system capable of typing 100 words per minute, 5 times faster than you can type on your smartphone, straight from your brain. That would be crazy amazing. But it's only the beginning of what's possible. It gets better. Facebook n'est pas la seule entreprise à développer la marque de la bête. Microsoft et Google développent la marque de la bête qui sera prise sur la main. Et Neuralink, la société fondée par Elon Musk, développe la marque de la bête qui sera prise sur le front. Donc maintenant, nous avons également Facebook qui annonce développer la marque de la bête qui sera prise sur le front. So we'll need new non-invasive sensors, sensors that can measure brain activity hundreds of times per second and precise to millimeters. And without signal distortions, even as they read through hair and skin and skull. En voyant cela et en voyant d'autres prophéties se réaliser, nous savons que nous vivons dans les dernières années qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Qu'il revienne dans 1 an, 10 ans, 30 ans, 50 ans, nous savons que nous sommes la génération qui va voir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, revenir pour livrer la bataille à Armageddon et détruire Satan, l'Antéchrist et le faux prophète.
Et comme nous avons foi en Dieu et que nous avons foi dans sa parole qui est la Bible, nous ne prendrons pas la marque de la bête, ni sur notre main, ni sur notre front, car toutes les personnes qui prendront la marque de la bête iront en enfer. La Bible nous dit que dans les dernières années, pendant le règne de l'Antéchrist, on ne pourra plus ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et nous savons que cela va arriver. Mon cœur, mes paroles et ma pensée, aujourd'hui, vont vers tous ceux qui n'ont pas encore pris conscience du danger que représente la marque de la bête. Je vous dis, Dieu existe, il vous aime et il veut vous sauver, vous permettre de vivre avec lui pour l'éternité. Et pour moi, c'est assez évident quand je vois par exemple une personne contrôler un drone avec sa pensée. Je me dis, mais il y a un très grand danger que si lui arrive à contrôler un drone avec sa pensée, quelqu'un d'autre, pour moi c'est Satan, peut aussi prendre le contrôle de lui et lui faire faire des choses qu'il ne veut pas. Et donc je vous exhorte, s'il y a des choses que vous trouvez belles dans votre vie, des choses que vous trouvez lumineuses, des choses pour lesquelles vous avez de l'amour, sachez que ces choses et ces sentiments viennent de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé et qui vous a permis d'être présent sur cette terre et de ressentir ces choses-là, ces bonnes choses. Et je vous encourage à vous tourner vers lui, à essayer de lui parler, à essayer peut-être de lire la Bible, à essayer de vous renseigner sur ces nouvelles technologies, ces tatouages électroniques qui sont en train de se développer pour voir le danger que ces tatouages représentent et l'existence, la vérité, l'amour que Dieu peut vous apporter sur cette terre et pour toute l'éternité. Donc je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir permis à moi de comprendre ces choses-là et j'espère qu'il vous permettra aussi de les comprendre. Je vous aime, je souhaite vraiment que Dieu puisse travailler dans vos cœurs, dans votre corps, dans votre esprit et dans votre âme. Et c'est ma bénédiction pour vous ce soir. C'est ce que je prie pour vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.